le tourisme en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, notre stratégie consiste à faire du tourisme le troisième pilier économique de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire étant la première économie de l'UMOA et la deuxième économie de la CEDEAO, il est inconcevable qu'un pays qui rêve de devenir un pays émergent ne puisse pas faire de cette industrie de services un pan essentiel de notre activité économique. C'est pourquoi nous avons été instruits par le président de la République à l'effet d'édifier une politique touristique faisant de cette politique-là une priorité. C'est pourquoi nous aurons à investir 5 milliards de dollars pour les 7 prochaines années afin de relever le défi du tourisme en Côte d'Ivoire avec le niveau des offres hôtelières et touristiques des plus en vue. De ce point de vue, nous devrons atteindre une capacité de 5 millions de touristes en 2020 et faire en sorte que nous ayons une capacité de lits pour Abidjan qui atteigne les 7 000 voire les 10 000 lits pour Abidjan et en Côte d'Ivoire avoir des hôtels dans les plus grandes villes de Côte d'Ivoire, les districts qui sont au nombre de 12 et les chefs-lieux de région avec les maisons d'hôtes, les hôtels et surtout réaliser des grands hôtels pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Voilà prioritairement ce que nous envisageons de faire. Et la Côte d'Ivoire aspire à être un pays à vocation touristique d'ici 2020. En tant que pays exposant, parce que nous comptons réserver notre exposition sur la terre africaine au cours de WTM Africa en Afrique du Sud à Cape Town. Nous serons présents à Cape Town et nous prendrons un espace de plus en vue pour venir matérialiser notre présence et surtout montrer la nouvelle figure de la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire qui se veut un pays ambitieux pour le tourisme. Et donc nous sommes venus voir quelles sont les tendances, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir pour doper notre stratégie touristique qui est en cours d'élaboration. Et à partir de ce moment, nous arriverons au mois d'avril 2018 en Afrique du Sud, à WTM, avec une exposition ou une exhibition de prise en vue et qui marquera les esprits. Merci.